Je me souviens que les débats sur les différentes et précédentes plutôt restitutions en 2002 et en 2010 avec les têtes maoris avaient été très vifs. Et je vous remercie aujourd'hui de cette approche apaisée et pondérée, constructive sur le sujet. Je crois effectivement que toute entorse au principe d'inaliénabilité, pardon, des collections publiques doit s'accompagner d'une ambition de coopération culturelle avec les pays concernés. En l'occurrence, je salue le fait que les restitutions envisagées s'inscrivent dans un renouveau de la politique culturelle de la France en Afrique. Et l'importance également du rayonnement culturel français sur ce continent. Pour ces raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés votera évidemment votre excellent rapport, Madame la rapporteure.